Yo Pédotrin, que salut pour une nouvelle vidéo, et cette fois comme vous voyez, nous sommes sur One Piece Pirate Warrior 2. Oui, pas le Burning Blood, parce que je n'ai pas les plateformes qu'il faut. Donc c'est parti. Alors, bah vu que j'ai terminé l'histoire, l'histoire principale en tout cas. Il me reste plus que celui-là. L'histoire principale, là j'appelle l'histoire principale, mais après là il faut que je débloque. Et ici, il y a des épisodes de partenaires, donc là j'ai récemment débloqué Lucci. Donc après j'ai eu au départ Girafo, Diaboula, le Léopardus et le Tauropus, ah putain, Bruno. Donc voilà. Donc là on va faire des épisodes de partenaires, donc je vais pas faire des épisodes de partenaires que j'ai déjà fait. Donc voilà. Je vais faire des épisodes de partenaires que je n'ai pas fait, donc par exemple comme vous voyez il est nouveau. Donc on va faire un nouveau... Il y a quasiment aucun qui m'intéresse en fait. Attrapez-les tous les partenaires. Ça demande du courage. Pokémon. Attrapez-les tous. Pokémon. Je vais quand même vérifier aussi le temps. Donc, on a eu Bugs Bunny, bon on s'en fout. Bugs Bunny, là on va prendre le Travelo. Oh c'est bon, on peut l'avoir. Donc, là c'est les personnages qui sont jouables, qu'on peut utiliser pour faire les missions et autres. Et comme vous voyez ici, il y a Kumba qui est utilisé, qui est utilisé par l'ennemi. Et Sanji aussi. Donc après quand on fera les épisodes libres, je vous montrerai les épisodes libres vite fait. Et on peut utiliser n'importe quel personnage. Bon là j'ai débloqué seulement... attendez, je vais pas compter. 10... 12... petit 12, 12 et 6, 18, 21 persos. Bon après j'espère qu'il y aura Trafalgar Law à débloquer, enfin j'espère. Mais bon, c'est pas tout. Allez, moi je prends comme d'hab, bien là. Je prends Gronibert. Je prends toujours un personnage que j'aime bien. Hein. Je vous ai pas montré les autres niveaux, par exemple de Nami ou comment elle s'appelle Nami et Robin. C'est c'est les deux autres encore qui sont plus forts. Après, il y a Marco aussi qui est assez fort que j'ai utilisé. Mais bon, on s'en fout. Je veux la même tenue. Pardon. Regardez aussi si c'est de bonne qualité parce que ça bouge pas trop. Bon moi déjà mes yeux sont en train de merder. Ah il y a Miniwalk avec nous, Smoker, donc Kuma comme j'ai dit, Kuma et Sanji qui sont du côté de Wankoff, Monsieur Travelotiste. Donc nous on est avec l'impératrice si je me cours pas. Non je n'ai pas pris en coque juste pour ces gros nibards. Non parce que c'est le perso que je manie le mieux on va dire. Et j'aime beaucoup son deuxième pouvoir, sa deuxième attaque spéciale on va dire, qui est très pratique. Donc voilà, donc il faut battre tous les généraux ennemis. Donc oh putain, je sens que ça va être marrant. Ouais en gros on va aller direct vers celui qui est en face de nous. Donc on va faire préparation à la bataille. La bataille oui. Donc comme vous voyez, on peut aussi se préparer donc en mettant des petits symboles, des fusions, etc. Donc on peut aussi déplacer les objets. Donc là je sens que je vais déplacer juste vite fait. Hop, tac. Juste déplacer. Voilà. Hop. Vivi. Et je vais essayer de trouver un truc qui peut être en rapport avec Vivi. Ce qui pourrait être pratique et qui pourrait donner un peu plus de défense. Je n'ai pas de personnage ou autre qui peut... Non, là, après, c'est la vie. Non, j'ai vraiment rien. Donc voilà, avec des relations. Donc là, par exemple, j'ai mis Lucci avec Boa. Une pièce de Lucci en bronze avec une pièce de Boa en argent. Une pièce de Luffy en bronze. Là, une pièce de Nami en argent. Et là, le Lockpost en bronze. Donc là, Kaku pour la ville, le fruit du démon, pour faire une petite fusion.
Donc la Ace, après... pardon, je dis une connerie, Nami avec la pièce d'or de Nami. Et la pièce d'or bronze de Hancock, oui. D'Hancock, donc voilà. Et en fait, si vous voyez, il y a des petites annotations, donc attribut avec le cœur, là avec un point et là avec la défense, bah, avec le bouclier, c'est pour montrer la défense, attaque et la vie. Donc voilà. Donc comme il y a marqué en bas à droite. Donc voilà. Donc partenaire, par ta gueule. Donc là, j'ai Nico Robin. Donc là, comme je vous ai dit, on va capturer les partenaires comme des Pokémon. Attrapez-les tous les partenaires. La fille qui s'appelle juste un délire, tout va bien. Donc là, je peux pas prendre Boa en partenaire vu que j'utilise déjà Boa. Autrement, bah j'ai Kakou, mais pour l'instant, je vais garder Kakou pour plus tard. Là, comme j'ai dit, j'ai Robin. Robin est très pratique. Et j'ai comment? J'ai Luffy au max. Robin au... pardon. Nami au max. Et je... Bah, vous voyez aussi, mais Boa aussi au max. Et je commence avec Robin. Donc, bah, on va garder Robin, vu que j'aime beaucoup ce personnage. Et si le croissance berry, c'est pour augmenter, bien sûr, les niveaux. Donc là, bah, en fait, c'est mon personnage le plus élevé, donc je peux pas lui augmenter les niveaux. Mais si j'avais pris, par exemple, Nami ou Robin, j'aurais pu la mettre... J'aurais été capable de mettre jusqu'au level 38. Sauf qu'après, ça fait une sacrée... Ça fait quand même assez mal de gaspiller de l'argent juste pour ça. Donc voilà, parce que vous voyez les berries qui sont actuellement... Donc voilà, ça fait un peu mal. Donc, c'est cool, bientôt passer au level 39. Cool, ça. Donc voilà. Donc après, information de la bataille. Donc ça, c'est pour nous dire les conditions de défaite, les conditions de victoire. Après, il y a des petites missions. Donc il faut remplir les missions avant de faire les conditions de victoire. Information sur l'armée. Donc après, vous voyez les partenaires. Ici, vous voyez les forces ennemies. Ici, bah, vous voyez les territoires. Donc on a donc la base alliée, donc si la base alliée elle est touchée, bah on est un peu mal barré. Donc on perd le machin. Hop, voilà. Données du joueur, ça on s'en fout. Les astuces, on s'en fout aussi. Donc voilà, donc j'ai perdu déjà 7 minutes. Magnifique. Donc allez, c'est parti. Donc là... Archipel des Samandis. Donc j'étais pas trop sûr de ça. Hop, allez, go, on va... Oh putain, je regrette d'avoir pris cette manette là. Oh putain. Si je pars en steak, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de ma manette. Donc voilà, donc là je peux faire une attaque spéciale avec Robin, donc là je vais faire un peu de Jean, voilà. Et après je crois que je paramétrerai ma manette parce que là c'est juste infâme. Donc voilà, donc on va prendre le chef, on va prendre le commandant ici. Je l'ai foiré. Ah non, je l'ai eu avec Boa, tant mieux. Hop. Oh merde. Bon, ça commence sérieusement à me saouler. Donc là, on va faire direct le second attaque spéciale de Boa, qui est franchement pratique. Voilà, c'est bon. Donc on a fait déjà 115 kills. Donc le chef est là, pardon. Ouais, le chef est là. Et j'ai... Ah, j'ai un trophée. Bon, j'irai voir ça avec vous. Hop, ça c'est fait. Je me demande si je me suis mise en normal ou en facile. C'est juste une question. J'ai l'impression de m'être mis en normal. Alors que je fais tout en facile. Ah, il m'a saoulé, celui-là. Hop. Là, je fais une de ses attaques spéciales. Et là, on a capturé le territoire. Comme ça, au moins, on a un généraux en moins si je ne me cours pas. Et je suis un peu dans l'air parce que je n'ai pas remarqué qu'il y avait les gens là-bas. Donc voilà, et en même temps, je crois que j'ai changé vite fait ma manette. Donc, petit moment de pause. Voilà. Non, je vais voir. Non, si franchement elle bug, je changerai. Je vais faire information armée et je vois c'est qui est en train de me casser les couilles au niveau de la base. Hop. Ouais, en gros, je vais retourner vers ma base. Je me paume assez facilement, hein, je préfère vous dire. Je vais voir si c'est vraiment ma manette. Non, c'est bon. Hop. Non, je vous montrerai si vous voulez après ma manette comment elle est. Oh putain, il y a encore du bordel. Ça c'est fait. 55, ok.
Donc là on va battre Sanji. Et je sens que je suis en normal. C'est pas bon. Je vais au moins battre Sanji parce que c'est celui qui est le plus chiant. Hop, c'est bon. On a battu Sanji. Maintenant, je pense que l'autre est là. Ah bah non, c'est pas ça. Oh putain, il s'est barré, l'enfoiré. Ah, c'est chiant là. Attends, j'aime pas me mettre en normal quand je connais pas la mission, quand j'ai pas fait la mission avant. Ça m'énerve. Bon, au moins c'est fait. Généraux ennemis, donc je regarde s'il n'y a pas d'autres. Oh putain, ils arrivent par là. Condition d'armée. Base alliée. Ouais, bon, attends, je fais un peu de ménage. Hop. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une drôle d'impression d'être en mode normal. Bon, c'est pas trop grave, au moins on aura un au moins. Donc ici. Oh, viens là, Kuma, tu viens là, Barcelone, Kuma. Ouais, gentil le Kuma. Non, mais il est dingue. Méchant Kuma. Putain. Mais bande d'enfoirés, pourquoi vous l'avez attaqué? C'est moi la pératrice qui doit l'attaquer, c'est moi la femme. C'est moi la... Oh, putain, la dominatrice. Putain, on préfère tu fermes ta gueule. Putain. Oh, putain. Oh. Toi aussi. Allez, oh putain, merde. Oh putain, vous êtes chiant, vous, ouais. Dégagez. Hop, vite, devant lui. C'est bon, là. Là, hop, encore combo avec... Oh non, seriously. Hop, allez, on va direct avec les attaques spéciales. Mais arrêtez de l'attaquer, là, moi je suis là, bordel de merde. Oh putain. Ah, ah, laisse-moi là. Bon, on va pas se faire chier. Ça commence sérieusement à me saouler. Alors, ça c'est fait. Lui, il est presque out. Ah là, c'est bon. Et on a 10 petites pièces. Putain, ça me gave d'avoir tous ces gens qui me cassent les couilles. Hop. Putain de merde. Non, je suis en normal, c'est pas bon signe. Ça. Putain, et non, et seriously. Et en plus, j'ai mal visé. Oh putain, c'est quoi le délire? Ok, d'accord. Non, mais sérieusement. Merde. T'entends mort, ouais. Putain de merde. Je vais aussi en même temps regarder l'heure. Je suis désolée si je parle pas beaucoup là. Mais non, j'ai un gros doute là. C'est pas ça que je veux voir. Non, c'est pas ça que je veux voir. Non, je vais pas faire arrêter quitter, non, ça va pas. Je vais voir juste un truc. Et vite fait. Ouais, non. Et puis ça acquérir. Ouais. Comment... Non, c'est pas ça que je veux voir. Je veux voir les techniques. Non, c'est pas ça. Putain, je peux pas voir la difficulté là. Il me reste plus que 2 généraux ennemis. À battre. Et ce sera bon. Donc je vais passer par là. J'essaie de trouver de la... Nickel. Je vais essayer de trouver de la bouffe, mais apparemment c'est bon, j'ai trouvé. Avec en plus de ça, du style. Putain. Hop, allez, on va pas se faire chier.
Hop, voilà, on va pas se faire chier non plus encore. Ça c'est fait. Hop, on va battre. Allez, on va par Mister. On va battre Mister Two. Hop voilà, nickel. On va éviter de gaspiller Robin pour rien. Il y a mon chat qui me fait chier. Ma chatte, pardon. Donc là, il n'en reste plus qu'un apparemment. Ah bah si je suis là, voilà. Merde. Bon, j'espère avoir pas mal. Et après je vais ouvrir mon choix quand même. 108. C'est bon, j'étais juste parti ouvrir à ma café les kékés. Alexis. Donc voilà. Prendre la bataille. On va quand même récupérer là. Hop, allez. Ah, une voix qui est là, dans le coin. C'est par où la base? Attendez, je ne sais même plus où est Iwankov. Oh, le soir. Ah! C'est le style attitude. Putain. Hop, on va prendre la petite pièce qui est là. On n'a même pas fait 100. Bon, c'est pas trop grave. Bon, allez, on va pas se faire chier. Hop, voilà, Ivankov, il est là. Non, putain. Ça qui est... Il est là. Allez, on l'a. Oh, c'est bon. Des bruits bizarres plutôt. Hop, une petite tarte. Vive la petite Ivankov. Elle est complètement sonnée. C'est comme si c'était drogué le mec. Oh, oh putain, non! Il est là. Hop, allez, hop, on prend le parfum Fémur. Yes, c'est bon, je l'ai eu. Il est quelque part. Il est là. Hop, au pire, on va faire un autre parfum. On va pas se faire chier là-dessus. Voilà, territoire capturé. Et on l'a eu. Et on a dépassé les 1000. Ouais, j'étais en normal. Comment je sais? Parce que j'ai un S et en facile, on n'a pas de S. Donc là, je sais pas si vous voyez très bien. Non, vous voyez même pas. Putain, d'accord. Donc voilà. Magnifique. Bon, bah voilà. Je crois que je vais le mettre en facile parce que franchement ça fait un peu mal. Nouvelle poche. J'ai mis au level 6 elle. Wow. Oh mais j'ai déjà tout eu les pièces. Ah non j'avais pas celle de Robin. Lol. Et après on a des carnets de bord et ça peut nous permettre à débloquer des techniques en fait pour les personnages. Bah voilà par exemple le carnet de bord. Le cahier des techniques, pardon. Le cahier de technique des femmes. Donc c'est un bingo, hein. C'est super hein, les bingos. Bah moi j'aime ça, donc voilà. Et là on a réussi à acquérir deux nouvelles techniques qui sont appelées bingo 1, bingo 3, bingo 1, bingo 2, bingo 3, bref, voilà, vous avez compris. Donc voilà, donc ici on a débloqué Sadique Plus. Donc ça c'est une technique de Perona. Et là on a débloqué Sagesse du Musicien Plus. Pourquoi ma PS3 fait ça? Ça n'a même pas sauvegardé. Mon jeu ne veut plus le... T'en mords. Moi je me mets en mode facile pour l'instant. Et je verrai plus tard pour le mode normal. Donc... On va éviter de refaire Ivankov.
je venais de passer au level 39, je suis trop deg. J'ai envie de péter un plomb. Bon alors on va faire lui. Donc Crocodile et Baggy sont pas utilisables. On s'en fout. Nous on prend Boa. Et là cette fois j'espère que ça va pas bugger. Si vous voulez travailler avec nous, je suis tellement dégoûté en fait. Voilà, c'est que personne donc Arlong et en même temps. Donc là on a que. Ah d'accord, on est quand même 3 contre 4, c'est pas chivo ça du tout. Je suis désolée, c'est pas cool du tout. Ouais bah donc Craig, ouais, bon, on s'en fout. Bah tous les généraux ennemis, donc ça je m'en doute un peu. Ah on n'a pas. On n'a pas un autre abattre. Non. Donc préparation à la bataille, oui, comme j'ai dit, donc choisir les pièces, donc comme voilà, je vous ai montré. Bah pardon. Putain, ça me fait chier. Level 6, putain, sérieusement. Ça me dégoûte. Oh non, je suis trop deg. Mais je suis deg, mais un point, vous pouvez pas imaginer. Bon allez, on va essayer de rentrer un peu court. Oh putain, non, attends, ça va me stresser ça. Attends, je m'en fous. La petite en armor. Voilà. Voilà, nickel. C'est à moi. Même si j'en ai déjà. Les généraux ennemis. Donc juste fait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah oh, putain, c'est vrai, il faut se battre avant. Donc, hop. Retournez dans votre petite cage, vous. Monsieur, dégagez, s'il vous plaît. Attendez, je vais me mettre là. Ah merde, je vais passer. Par un... Allez hop. Basta. On va battre mon sujet. Oh ça me saoule. Il y a un peu trop de gens. Là il y a des trucs avec... Là il y a des pirates avec... Des gaz. Parce qu'il y en a qui peut... Tous les généraux ennemis. Ah bah y'en a un là-bas, y'en a là-bas. Oh putain merde, je l'avais déjà tué. Par avant. Hop. Le chef est là. Ok, donc après t'as toute la côte. Ils ont préparé quoi? Un petit truc de... Un petit moment au café, les généraux, parce que là ils sont en train de se barrer tous au niveau du petit carré bleu qui est inutile, mais bon voilà, c'est pas grave. Hein. Mais bon voilà. Je suis un peu à l'opposé. Hein, mais bon voilà, ils vont aller prendre un petit café avant de venir se battre. Quand même. Voilà quoi. Il est où le chef? Battre moi le chef. Aïe! Espèce d'enfoiré! On tape pas les meufs! Non mais! Connard va! Messieurs! J'arrive aussi pour le café, hein! Ouais, il y en a pas. Temps mort. Si, il y en a un. Il est là. Il est là. Hop, allez. Perfume. Il me fait pas chier. Ouais, terminé. Au moins, j'ai fait un peu de ménage. Là, ça va me gonfler. Hop, on dégage. Là, il y a des gens. Il y a des mecs avec des bombes. Mais laissez-moi prendre l'objet. Hey, toi, tu dégages. Toi Baggy, je vais te... Vilain petit clown. Viens là le clown. Au pied le chien. Le Baggy. Hop. Une petite claque de la part de Robin. Espèce de petit enfoiré. Tu es un vilain petit clown. C'est le seul clown que je n'ai pas peur. Bizarrement, papa, dégage. Oh putain, je joue l'autre. Hop, si c'est fait.
L'autre, il est là. Hop, c'est bon, ça c'est fait. Aïe! Soyez pas aussi violent avec des femmes, avec une femme, non mais dites donc. Bande de cochons, va. Et doucement, doucement, on se calme. On se calme, mes enfants. GPS. On fonce droit dans le tort, on s'en bat les steaks. Hop, il est donc. Non, c'est crocodile ça. T'en mords. Il est où dans machin? Ah si, il est là. Bon bah. Attends, hop. Hop, on va pas se faire chier. Je peux en faire deux, donc ça va. C'est bon signe. Hop. J'ai fait juste un petit carnet, rien du tout. Hein. C'est tout. Hein. Ne faut pas s'inquiéter. Hop, allez, c'est bon, terminé. On a battu donc Craig. Une petite claque, vilain petit cochon, va. Et on le voit en train d'étaler comme une grosse merde. Bah voilà, comme j'ai dit, le rang S ne peut être obtenu. Et un mode facile. Oh la quiche, Lorraine, que... Pardon. La grosse quiche que j'ai été. Un C pour avoir tué. C'est vrai, c'est pas beaucoup, hein. Parce que je suis si belle. Mais oui, tu es magnifique, tu es splendide, ma chérie. Bref. Bon, c'est bon, lui, on l'a en partenaire. Allez, on a capturé un partenaire. Capturez-les tous, les partenaires. Je suis dégoûtée. Partenaire. Bon, on a gagné notre petite Robin. Donc là, on va revoir le bingo. Le bingo. Oui. Oui, on a déjà dit le sadique plus qui est à Perona, le sagesse du musicien. Sagesse du musicien de Brooke. Voilà. Ouais, bon, on a gagné des Perry. Voilà. On a donc Craig maintenant en tant que partenaire. Sauf que le truc, c'est que je vous montrais vite fait. Donc après, j'ai quitté le monde vu que je l'ai déjà fait. On va aller dans l'épisode principal plutôt. On va aller ici. Ah bah non, je vais plutôt me mettre en journal libre. Voilà. Non, hop, là. Voilà. Et on va... Et là je vais prendre Robin. Mais non, mais pas Francky. Mais j'ai une tête à prendre Francky, moi. Putain, mais sérieusement. Ah non, 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 je suis pas d'accord, je prends pas Francky. Ah non, 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 moi c'est hors de question, c'est pas que je n'aime pas Francky, mais moi je préfère les cornichons. Oui. Donc voilà. Non mais dis donc. Donc là je vais prendre par exemple... Un personnage qui n'est pas jouable comme Robin ou comme Hancock ou Baggy ou autre. Préparation de bataille que je joue. Donc partenaire. Je vais vous montrer juste. Il est là. Moi je prends mon cacou. Donc là comme je vous ai dit pour le Crossing Berry, bah, on peut la mettre au level 39. Mais bon après ça claque un peu les berries. Et bon voilà, je vais manger un Crossing. Donc juste. Voilà, je vais juste vous montrer vite fait pour. L'autre sorte de partenaire, parce que là je vous ai montré juste un partenaire qui peut être utile, que tu peux contrôler en même temps. Là, celui-là, on peut pas le contrôler une fois qu'on l'utilise. Vous allez voir, je vais le mettre où il y a un petit tas, voilà, par là, par exemple. Voilà. Voilà. Et là, on peut pas l'utiliser. Donc voilà, c'est... C'est un peu ce con, mais bon, je suis pas trop déçu. Moi, j'ai cacou. Pour moi, le cacou et j'ai principal. Donc voilà, c'était juste vraiment pour vous montrer l'autre type de. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc voilà,
C'est vraiment vite fait pour vous montrer l'autre sorte de... Bon après, bon là il y a marqué prologue épisode 1, l'attaque, voilà. Difficulté facile, bon c'était juste vraiment pour montrer. Donc là il y a un truc, un grand en cours, donc voilà. Bref. Donc voilà, voilà, c'était One Piece Pirate Warrior 2. Sur PS3, oui, parce que c'est uniquement sur PS3. Hein. Heureusement que j'ai la PS3, enfin. Juste regarder un truc, surtout pas être trop fait, vu que j'ai pas été, en fait. Comme vous voyez, bon, la manette, c'est une manette comme ça que j'ai. Voilà, la sublime manette, on s'en fout. Bon, après, on s'en fout des autres machins. C'est où que j'ai vu? Non, c'est lequel que je viens d'avoir. C'est un avant que je viens d'avoir. Ah, c'est celui que j'ai eu. Ok. D'accord, d'accord. Donc c'est celui que j'ai eu, récemment. Je vais avec vous. Après, bon voilà, j'ai pas de grands trucs. C'est celui-là qui a le plus de... Qui a le plus de pourcents, en fait, dire. Parce que là, il y a 21. Là, j'ai commencé, donc c'est pas... Mais bon, je ferai peut-être une vidéo vite fait. Bah là, vous voyez peut-être pas, mais c'est Naruto, en fait. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Génération. Donc voilà, j'ai commencé, donc il y a 7%. Hein, c'est bon, je vous montre vite fait. Donc voilà, j'ai déjà fait l'histoire de... D'accord. L'histoire de Sasuke, l'histoire de Zabuza, l'histoire de Naruto jeune. Avoir le premier rang S. Et celui-là, premier... Première course, donc voilà. Après, bon, là, c'est pas très intéressant. Bon, bon, je m'en vite fait, au moins ça fait un petit plus. Donc voilà, quelques petits trucs supplémentaires. Ouais, y a pas beaucoup, hein, je suis désolée, en trophée. Et en plus, il faut être en ligne, et je vous jure qu'en ligne, je vais pas me vanter, je suis quand même une assez quiche en ligne sur Sonic the Hedgehog Racing Transformie. Donc voilà, bref. Donc maintenant on va quitter le jeu, hein, c'est pas... on va pas rester 3 heures. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, c'était One Piece Pirate Warrior 2 sur PS3. Franchement c'est un jeu qui j'aime beaucoup. Bah déjà j'aime beaucoup jouer à One Piece bah, sur Wii. Mais alors quand j'ai vu celui-là, je me suis dit bah c'est bon, vu que maintenant j'ai la PS3. Je le jeu. Donc voilà. Donc voilà, voilou, bon, j'ai tout de suite voulu. Donc comme j'ai dit, je ferai peut-être une vidéo sur Naruto. Donc voilà, voilou. Et bah, j'espère que cette vidéo vous l'avez plu. J'espère que certains qui veulent connaître l'univers de One Piece ou qui hésitent à jouer à ce jeu avant de passer, je sais pas, à Burning Blood ou autre, bah ça vous a peut-être donné envie de jouer à ce jeu. Ou peut-être que ça vous a pas du tout de donner envie. Vous pouvez lâcher un petit j'aime, partager cette vidéo, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la vidéo, hein. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à plus, c'est Zornitonic.